comment et quand remplir le sel de votre lave-vaisselle. Bonjour à toutes et tous, Thomas de chez Defitech, très heureux de vous retrouver pour cette vidéo. Alors oui, on continue les vidéos sur le lave-vaisselle parce qu'on a encore beaucoup, beaucoup de demandes et je trouve des fois que le sujet lave-vaisselle, c'est presque intarissable comme sujet. Mais ici, focus sur une chose, le sel régénérant dans le lave-vaisselle. Petit rappel rapide, on vient ici au devant de la porte, liquide de rinçage, c'est du liquide de rinçage, dans le bac de lavage, c'est de la poudre de lavage, oui, on parlera bientôt des tablettes, on a déjà fait une vidéo, mais moi c'est de la poudre de lavage, et le sel régénérant. Alors, avant de vous expliquer quand mettre le sel régénérant se met ici, dans le bac, on dévisse souvent un petit quart de tour, et on a le bac pour le sel régénérant. Ok, ouais, des fois on peut nettoyer un peu, un petit peu collé. C'est du sel spécial pour la vaisselle, pas du sel de cuisine, ok, pas du sel de cuisine, c'est du sel, voilà, regardez. Voilà, c'est du sel comme ceci. Il est indispensable. On doit le mettre. C'est indispensable. Alors, si vous avez, par exemple, un adoucisseur d'eau, vous devrez en mettre moins souvent. Si vous mettez des tablettes 3 en 1, même si je le déconseille, mais si vous mettez des tablettes 3 en 1, vous devrez quand même mettre du sel régénérant. C'est important pour le calcaire, etc. C'est important, sinon vous aurez des verres qui seront attaqués par le calcaire, vous aurez de la vaisselle blanche, donc c'est important de le faire. Si vous ne remplissez pas souvent parce que vous avez un adoucisseur d'eau, il est important de temps en temps de prendre une petite cuillère en bois et de venir simplement gentiment, attention parce que faut pas tourner trop fort, juste un petit peu, voilà, attention parce que vous avez des petites obstacles de temps, voilà, juste un tout petit peu tourné pour éviter des fois que le sel peut peut-être s'agglutiner et se compacter dans le fond, donc voilà, tranquillement, vous voyez que je fais ça avec deux doigts, hein. Faut pas le faire trop souvent, hein, mais voilà. Maintenant, vous avez reçu un entonnoir comme ceci, c'est important. Si vous l'avez pas, faites attention, donc on met l'entonnoir dedans. Et c'est en ça que tient toute la vidéo, vous allez comprendre. On remplit le sel comme ceci. Voilà. Alors, vous allez comprendre. Regardez, voilà. Je vous fais cette vidéo pour cela. Quand faut-il remplir le sel du lave-vaisselle? Avant de relancer un nouveau lave-vaisselle. Juste avant. Là, le lave-vaisselle, il est vide pour la vidéo. C'est très important de vous expliquer cela. Souvent, les gens, ils ont terminé, ils ont vidé le lave-vaisselle. Le lave-vaisselle est tout vide, il est tout propre, et ils se disent, on va remettre du sel maintenant. On met du sel, ok, et en fait, le sel a un petit peu débordé sur le côté, et on va attendre 2-3 jours avant de faire repartir à la vaisselle. Eh bien ça, le sel qui va sécher, ici dans le fond, peut abîmer votre cuve. Donc, un conseil, avant de relancer la vaisselle, donc imaginez que la vaisselle, il est plein de vaisselle sale, ok. Vous remplissez votre sel avec l'entonnoir, vous faites attention de ne pas trop en mettre à côté et vous relancez tout de suite pour une nouvelle vaisselle. Comme ça, en fait, s'il y a du sel qui est tombé sur la cuve, elle se fait prendre dans l'eau et elle est évacuée. Ça vous évite sincèrement d'abîmer la cuve de votre lave-vaisselle parce qu'on a déjà eu des cuves percées à cause du sel régénérant. Et c'est pas que c'est à cause du sel, le sel c'est normal qu'il soit là, mais c'est le moment où on le met, il reste dedans et il commence à abîmer les cuves. Conseil, si vous faites ça, vous aurez très 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 peu de notes. En tout cas, vous allez diminuer vos ennuis avec votre lave-vaisselle. Merci à toutes et tous d'avoir suivi cette vidéo consacrée au remplissage du sel. Quand, pourquoi et comment, j'espère que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à partager cette vidéo, laissez un commentaire, des pouces bleus effectivement. On est de plus en plus nombreux, merci à toutes et tous. Nos réseaux sociaux, Facebook, Instagram et depuis peu, des podcasts sur les plateformes de téléchargement, l'arrière-cuisine pour prolonger l'expérience. À très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao.